C'était moins un portrait qu'une ruine ou qu'un tombeau. L'artiste avait sans hésiter liquidé sa figure et cette ébauche, dans un tracé plus maigre et plus sec qu'un os blanc, avait tout sacrifié à la toile et au fusain. Néanmoins, ce portrait, le plus noir des tableaux et le plus désolé, désignait dans l'alcôve un tout petit tableau encore plus en détresse. Trois poires sur une assiette. Et il avait été le dernier de toute une vie. Et le peintre avait eu, non pas pitié d'elle-même, mais pitié de trois fruits. Et elle en avait fait le dernier de ses tableaux.